Yo Juju. J'ai fait un petit tour juste avant là, mais vraiment un. Une 29-4 au premier tour, donc on va voir ce que ça donne. Ça va, tranquille. Non! Et merde, réaccélérer trop tôt. Bah là, c'est mort, Ika. T'apprendras que. Il y a une partie d'ouverte, t'as qu'à la rejoindre. Ah, je freine trop tard du coup à regarder les messages. Ah, ils ont détruit la groupe 4, oui, mais la groupe 3 pas tellement en fait. Faut savoir comment gérer son fuel avec, sinon elle consomme beaucoup trop, mais pas tellement. What's your time, Moata? Hello, mate. Oh, 29-0 is a great time. I think you are in. Putain, je foire le dernier secteur. Ben. Bon, ça va améliorer quand même, mais c'est pas encore ça. Mais tu vois, la Lexus Juju, elle est pas si dégueulasse que ça. Hein. Mon deuxième tour.
Attends, alors. Oh non, mais je peux aller chercher un 28 quelque chose. Ouais, j'ai testé la Hyundai, elle est vraiment pas. Toi, c'est pas une des meilleures, mais son comportement en fait en piste est vraiment agréable, je trouve. Merde, je perds tout le bénéfice, j'ai glissé. Yo, Akane, how are you, mate? J'ai rupté. Oh, quel con. Ah, c'est dommage. Je peux vraiment faire mieux, là j'ai fait de la merde et pourtant j'avais un dixième d'avance. Et ouais, en fait elle est, tu vois, elle est pas, c'est pas la meilleure hein, mais maintenant elle peut peut-être se battre dans le milieu du plateau bien comme il faut. Elle a pas cette, elle s'ouvre un petit peu de mon point de vue, mais elle a plus ce problème de glissade et d'usure du train avant, des pneus comme avant. Ah fuck! On va essayer. Ouais, non, ça va pas passer. Let's go look, Moata, if you are again in the top 10. Twenty-nine-zero-zero-four. Not bad. Let's see where is. Oh, 28 people, nobody in Lexus, just me, because the car is shit. Bah moi non plus, hein, regarde, en 5 tours, je suis en, enfin en 4 tours, je suis en 29,079. Ça va, hein. Eh putain. Hello, old friend.
ça c'est mort. Something is really strange. Look, what the fuck? What? Why is the fucking view? What the fuck? I have a problem with my wheel, I think. Ah, okay, perfect. Wait, sorry. Retry. Qu'est-ce que tu disais? De base, je suis arrêté sur l'intérieur, mais la Hyundai m'a appris à le kiffer. La Hyundai, elle est vraiment propre. Hein. Mais c'est Stefunzi qui doit être content, là, du coup. La petite update de la voiture, ça lui fait vraiment du bien. Puis ça fait quand même longtemps que la Hyundai, elle est tellement loin derrière. C'était une GR4,5, quoi. Enfin, GR3,5, du coup. Non! Putain! Non. Ah mais je pue la merde. Je suis pas dedans là. Quand je me reconcentre, je fais 2-3 tours comme ça parce que là je fais de la merde. Je fais vraiment de la merde là en fait. Il y a un truc qui déconne avec mon volant, je crois. Vodka à Canet.
Yeah, nice, but not easy, this car. I think I really can search something like a 28.7 with this car, with a perfect lap. I lost the last turn, I lost 0.1. Fuck.
Sorry guys, I receive a call. Putain, je suis un boulet! Ah, fuck! No penalty. What the fuck? Fuck.
Reality. It's not top 10. It's close, but it's not. That is top 10. Here we go. Yo. Tu sais que ça sert à rien de m'inviter en partie quand je suis déjà en partie. Ah. Je viens de rentrer dans le top 10 sur Interlagos avec la Lexus. Eh bien, moi je m'entraîne pour la Vélos. Oh, ça va, t'as le temps, c'est dans une semaine. Bon, voyons ça. Et bonsoir Gwen, et t'arrives juste au moment où je viens de rentrer mon petit temps dans le top 10 avec la Lexus qui est dégueulasse. Normalement elle est dedans. Ouais, hein. Ah, c'est bon, 933, je suis 6ème, voilà. Et merci. Je vais aller insulter Servé. Pourquoi? Parce que je lui demandais encore à Watcher, il me dit non, mais je suis avec Murat, c'est la Supra GR3. Du coup, je lui ai demandé à Storm, il me dit non, c'est un Mazda TC. Bravo, Servé. Toujours incroyable pour ces informations. Je suis en live au cas où. Comment tu vas, mon petit Gwen? On peut rentrer dans ta sœur? Allez, hop, ça, c'est cadeau. À table!
39009, c'est bien de la merde. De quoi? Bien pourri comme temps. Ça va, tranquille. Non, de toute façon, je suis trop vieux pour ta sœur, mon gros, c'est... Laisse tomber, elle doit avoir 17 ans, ta sœur, ça va. Si elle avait 16 ans, j'aurais le double de son âge. Si, mais tu feras pas de la cuisine avec mon Mitsu. Donc du coup, moi, je ferai pas de la cuisine avec ta sœur, voilà. Eh ouais. Attends. C'est horrible. De quoi? Mazda TC à son grand âge, c'est horrible. Je supporte pas. Ah, oh, c'est pas mal, je trouve, moi. Ah, j'ai glissé, c'est mort. Hop, je la vois s'en aller, c'est fini. Tu sais que Fredo il était peut-être chef cuistot, mais j'ai été chef cuistot aussi. Hein. Si je veux cuisiner un lapin, t'inquiète pas que je sais le cuisiner. Il faut chercher un 37. On est trop tôt. Eh ouais. Dommage. Mais non, trop là, dans l'herbe. Ouais, mais de toute façon, c'est pareil, ta sœur, c'est du réchauffé, c'est bon. Ah, just one minute. Sorry for the blue screen. Désolé pour l'écran bleu. Deux petites secondes. Super, après, voilà. C'est parti. Avec la Lexus, c'est impossible. What? Wouah, putain, mais c'est quoi? Ouais, je dois vraiment... Faut que je nettoie mon volant. À DNR, c'est fini, c'est possible. Ici on est, mais en fait demain on a autre chose de prévu et bah, c'était prévu depuis très longtemps. Donc, mais j'avais oublié de prévenir comment s'appelle le petit circa.
Et donc du coup, bah, on a un accord, c'est qu'on continue, tu vois. Mais on continuera la semaine d'après, on retourne dans la dernière poule, ce qui est logique en soi, vu que ce qui est très logique, vu qu'on participe pas à celle-là. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, avec Nico, on repart de la dernière poule, mais moi ça me dérange pas plus que ça. C'est... Comment dire? Enfin c'est pas grave quoi, c'est plus pour avoir de l'entraînement de façon et de la régularité sur 2 heures, donc c'est pas gênant. Même si on terminait dernier, je m'en fous un peu des points en soi. C'est pour avoir de l'entraînement et voir la régularité de Nico. Comme ça. Voilà, ah, Nico, il a 15 ans, il a eu 15 ans il y a quelques jours, c'est une machine. J'ai un dixième de retard sur mon chrono là. Ça va faire 1,4. Voilà. C'est génial, je vais être en lobby pour la Vélos. Il n'y a que un lobby. J'ai les salons de Murat et c'est quoi là? Bah, c'est des lobbies, c'est des lobbies hein, aussi, mais avec d'autres voitures. D'accord. En fait, si tu veux, si jamais tu termines dans les 4 premiers là, sur le salon, d'accord? Tu seras qualifié pour la super finale dans 1 mois. D'accord. Moi, je participe à la prochaine manche, mais la semaine d'après, quoi. Celle de Murat. Non! Putain! Oh, je suis mauvais! Tellement pas régulier. Je vais rejoindre. Allez. Je fais de la merde, j'essaie de freiner un tout petit peu trop tard. Va taper un top 10, toi, après on en reparle. Et surtout, viens pas ouvrir ta boîte pour le top 25 que t'as fait. Ah, que t'as pas fait. Donc toi, du coup, je serai avec Miura. Ouais. Donc t'auras Supra GR3. Ouais. Chance. Salut. Petite tapette. Ça vous ment, ça va. Ah, comment ça, ça va pas là? Mais non, je suis en train de m'entraîner et ça va pas. Salut Steph. Merci Fonzie. À la caisse dans 1 heure. La caisse qui dans 1 heure apparemment. Oui, je remplace Servet. Mais Storm m'a dit j'étais dans son salon. T'es d'accord avec moi qu'il est de la Supra?
Voilà. Ton micro il est fort comme ça, Steph. D'accord. Il est très fort. Trop fort, oui, mais très fort aussi. De base. Trop bas là, trop bas. Ah, c'est bien. Ça me dit que je suis avec lui. Parce que Storm, c'est un boulet. Même moi je comprends pas, parce que je suis dans le truc d'illusion là, et Cervé lui il a des connus, c'est un Mura quoi. Guten Tag Melvin, how are you mate? Alors ta petite Wundai, Steph? Et non Gwen, c'est pas mon fantôme, c'est celui de Supra en Mazda. Ouais, tu disais quoi, du coup Steph, ta Wundai elle donne quoi? Attends, oh, attends, je reçois un appel. Deux secondes, je reçois un appel, désolé. Allô? Ouais, t'es devant? Ok, j'arrive. Salut. Je reviens dans 2 secondes. Salut. Ah, où est-ce que je... Ah si, où est-ce que ça va maintenant? Ferme. Où est-ce que... Ça va? Ça va et toi? Ah, il m'a dit prends la Mazda TC, sportant, 100%. Et tout le soin de soin. Moi, normalement, t'es avec la. T'as la Supra GR3, Ikea. Ouais, dimanche prochain. Ouais, mais Kaïs, aujourd'hui, quoi. Non, dimanche prochain aussi. Cette semaine, c'est le salon de. Ah, de Storm. De Storm, la semaine prochaine celui de Miura et celle d'encore après c'est tout. Moi ouais, bizarre. Dis-moi la Supra, c'est y a la bop ou pas? Ouais. Et les pneus? Course dure. D'après ce que j'ai vu. Je m'étais entraîné sur ça sur Laguna. Ah parce que c'est pas le même circuit après. Ah non. Oh putain. T'as Laguna, les qualifs sur Laguna, puis t'as. Après c'était quoi, il y avait Barcelone, ouais génial, et puis il y avait les 24 heures du Nurb en ouais, finale, génial quoi, toi. En finale, et puis il y avait encore un autre circuit, je sais plus. Yo, hello. Yo.
Hello. Bonjour, what's up, guys? Alors, Tiens, en fait, Tom, il m'a dit de la connerie, quoi. How are you guys? Good? Yeah, good and you? Very nice. I'm also good. Also good. It's first game. All right, just wanted to say hello. Gonna leave again. See you guys. Have fun. Yeah, bye. Yeah, you too, guys. I'll be back later, maybe. Bye bye. Okay. Alors, ça y est, il y a les inscrits pour la GT Fusion du coup. Alors, Skylla, Servais, FXX, moi-même, Marcola, Mixtive, Alpstark, Jan, H, Wesson, Ouais, Zabi et Pouille. sorry Ouais. guys, I just come back. So yes, I ask a question to Stefanzi about the about his car now. Comment elle est ta voiture maintenant? Elle est un peu mieux. Elle est co tu la Oui, trouves comment? plutôt. Ouais. Bah pour avoir testé. J'ai l'impression que tu auras moins d'usure du coup que ce que tu avais avant et que la voiture a moins tendance à avoir du sous-virage. Elle en a toujours, mais elle en a moins qu'avant. Moi je suis reparti sur sur mon ancienne voiture. Ouais bah tu sais, tout le monde me dit qu'elle est à chier, que j'aurais jamais dû faire ça. Bah tu vois, je viens de la rentrer dans le top 10 de Interlagos. Ah Lando, si seulement on avait l'aspi du fantôme. Si seulement. La Lexus dans ces cas-là, je la place première du top 10, y a pas de souci. Oui, mais ce qui lui manque, c'est la deuxième et la troisième. Donc du coup, c'est les endroits sur ce circuit-là, la deuxième, la troisième, où tu perds le plus. Surtout les petits enchaînements. Tandis que par exemple à Lambeau, l'aspi, ça l'aide sur la cinquième, donc sur la ligne droite, tu vois. Mais c'est ma voiture aussi, mais la deuxième, troisième qui sont pourries sur la Lexus, bah voilà. Ah, pénalité là, c'est sûr. Bon, après je vais partir en train course parce que c'est pas qu'il faut que je me remette sur GT un peu, mais quand même. Ça fait 3 semaines que j'ai pas roulé. Hein. Alors rouler par contre avec une pseudo attelle à la cheville, c'est génial. T'as fait ça comment, les chiffres? De quoi? T'as fait ça comment? J'étais sur une échelle chez mes parents en fait, en train de couper de la vigne, tu sais la vigne montante là, celle qui colle sur les murs pour la baraque. Et t'as un barreau de l'échelle, l'échelle c'est une ancienne, t'as un barreau de l'échelle qui a lâché et donc du coup bah t'as la cheville qui a fait. C'est une échelle en bois, tu sais. Donc du coup, bah là, demain, on va l'acheter une nouvelle échelle parce que c'est pas que j'ai pas envie de me casser la gueule à 6-7 mètres de haut, mais quand même.
Ouais, mais tu vois, Lando, c'est pour ça que j'ai quitté Mazda. Je me disais bien qu'il y aurait 20 000 connards, dont toi, hein, évidemment, à prendre Mazda. Donc je me suis dit, bon, j'ai fait une saison chez Mazda, j'ai fait une course. Enfin, deux, mais je l'ai foiré la deuxième. J'ai pas fait d'autre chose. J'ai dit, bon, je m'en fous, je me cache, je vais ailleurs. Après, le problème, c'est que la groupe 4, elle est vraiment dégueulasse. Genre sur la course d'hier, mon meilleur tour en course, c'était 2 avec la spi, 2-0-3-7. Donc vraiment dégueulasse. Bien joué, Akane. Good job, mate. Impossible for me with a Lexus to go in 28.5 without slipstream. Impossible. Oh, Lexus is not bad. It's not bad, but I think with a perfect lap, I think the 0.7 is possible, but it's hard. If you see my first gap, I have plus 0.13, but my best is 601, so I can win 0.1 in the first gap, but after it's really hard. Tu vas voir, Lando. Moi je te dis qu'il y aura beaucoup de monde. Déjà t'as Supra, enfin pour le moment t'as Storm, mais c'est pas sûr qu'il y reste. Après t'as Supra, il y a toi, il y a comment il s'appelle, INS Sinister Monk, GTA Cruiser. Je te dis que t'as du monde. Le top 10, ça va jouer à des courses à 300. Faudra que tu prennes minimum 315 pour le top 10. That is a great first gap. Atto aussi, ouais. Ah la gare. Bon, j'ai pas regardé. T'as fait la poser, mais non, quoi. De quoi? T'as déjà fait la Peugeot ou pas? Quel Peugeot? Bah la Peugeot 3. Vous roulez qu'en groupe 3, hein, vous roulez pas en groupe 1 en fait. Et oui, la Peugeot groupe 3, l'ancienne, elle est faite, oui. La nouvelle non. La nouvelle non parce que Non, c'est mais le truc que tu m'as partagé, tu l'as lu quand même? Le truc que je t'ai partagé, de quoi tu parles? Hier soir. Ce soir, j'ai l'endurance VQS. Oui et. Hey, tu vois hier, tu m'as envoyé des documents là sur. Oui. Tu les as lus? Non. D'accord. Il faut une livrée spéciale, hein. C'est marqué en bas. Bah c'est dommage. Moi faut me le demander. J'ai posé la question à Cooper. Bah il l'a mis Cooper. Il l'a mis Cooper? Ouais. Bah alors tu me diras où, parce que je suis allé voir. Bah, tu lui as même répondu que t'allais la faire. Sérieux, là? Attends, c'est quoi? Je lui ai mis quoi comme message hier? Écoute bien. Alors, la championship à feu. T'as même répondu ton message tout à l'heure. Non, non, tout à l'heure, je lui ai demandé. Je reposterai les décals nécessaires, il a mis, d'accord? Il a mis le machin. Il a mis ça à 13h40, d'accord? Bah écoute, 13h40, pour le moment, moi je suis occupé à autre chose. On demande pas une peinture à 13h40, c'est tout. Je le fais quand je suis dispo. Il faut Ouais, arrêter bah de se foutre de ma ça. gueule, hein. Non mais je m'en fous, Ouais, mais Wesson. ça, tu lui dis ça à lui, c'est lui qui a Mais je lui ai c'est dit, lui qui a inscrit je lui ai l'équipe, dit, est-ce c'est que t'as lu le lui qui a message que j'ai mis à 4h du oui, j'ai matin? vu. Est-ce Oui, que t'as bah vu ce oui, que j'ai mis? Bah je suis voilà. d'accord. Ben, c'est pas à moi de dire, alors tu sais quoi, je vais pas la faire si tu t'as des mecs et puis c'est terminé, c'est pas du vrai, je vais pas. À un moment donné, il inscrit des équipes, mais il y a rien derrière qui suit, quoi. Déjà, D'accord. c'est un truc de ouf, c'est de pire en pire, quoi. Ouais, mais moi, t'es d'accord avec moi qu'on me demande pas une livrée à 13h17. J'ai demandé à 4h du matin, il était Ouais, bah 21h chez lui, il après, était là. t'avais les documents en main, je pensais que tu les avais un minimum, étant manager Mais putain, d'équipe. mais je vais pas lire tout ce qui. Attends, je vais mettre un truc, je suis en live, je vais le dire en live. J'en ai rien à Non, bah branler. après, je m'en fous que tu sois en live, on n'a pas Non, la non, même mais moi je te le place dis. salle Non, mais en moi je te live le dis, que Wesson, tu. on va calmer les trucs tout de suite. J'en ai rien à branler. Je Bah reçois plus de voilà, 30 demandes de c'est championnat par réglé. semaine.
Est-ce que tu penses que je vais m'amuser à lire oui, tous ça, les documents? Mais ça, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et bah dans ces, dans ces cas-là, les livrets, on les demande pas à 13h, basta. Hier soir, j'ai mis un truc à 4h. C'est pas moi qui l'a demandé, d'accord? C'est oui. pas moi. Est-ce que je t'ai dit quelque chose, toi? Moi, est-ce que je t'ai dit quelque chose? La livrée, c'est quand je te l'ai demandé, il y a 4 jours, je te l'ai demandé, il y a 4 jours. Tu m'as dit, on verra ça. Eh ben, on verra ça, en attendant, on est dimanche, y'a rien eu. Eh ben, on est dimanche, y'a encore le temps, la course, elle est pas débutée. Course, mais oui, mais je t'ai dit, est-ce que je t'ai mis une réflexion, Wesson? Je t'ai pas dit un seul truc. J'ai dit à Cooper cette nuit, est-ce que t'as vu le message que j'ai mis à Cooper? Ouais. Bah voilà, faut qu'il Quand comprenne. Quand les gars ils proposent des championnats, la moindre des choses c'est de mettre les infos du championnat. Bah surtout que, pour, par exemple, pour les infos du championnat pour toi, c'est grave important. Et ensuite, pour les peintures, c'est il y a une pénalité de points, d'accord? Là il m'a mis les infos à 13h. Bah je vais aller faire la peinture tout à l'heure. Mais la course elle débute, c'est pas c'est quoi, c'est 19h30 CEST, donc vous, pour vous c'est quoi? Non mais 19h30 CEST, c'est Central European Time, je crois que pour toi ça va être 20h30 je pense. Je sais pas, c'est lui qui commence de toute façon, qui fait le premier relais, donc... Ouais, bah tu prendras la suite, ça va. Voilà. Mais tu vois, ouais, faut comprendre que... Bah ben, ça, faut bien leur expliquer, au gars. Moi, je le sais très bien, gros. Hein. Chaque fois qu'il y a un event, moi, généralement, ben, je demande la peinture tout de suite dans la foulée, voilà. Encore une fois, c'est triste que les gars font le stresser. Ouais, mais c'est... ils comprennent pas. Ils pensent, en fait, que faire une livrée, c'est par plaisir. Bah ouais, c'est vrai, je prends vachement de plaisir à aller faire une livrée. Pour une course, clairement, je le dis, de merde. Parce que j'ai vu qu'il y a d'inscrits, et je peux dire que le fair play, il sera pas obligatoirement présent. Que... Ouais, c'est pas pire que ce qu'il y a à la vélo, ça, je te le dis tout de suite. Non, j'ai vu les noms, j'ai vu les noms, t'inquiète. On voit les groupes dans les poules de la vélo, c'est merci, mais j'ai bien fait de pas y aller. Là encore, j'ai vu qu'il y avait qui, il y avait Sylvain, il y avait BF Ramucho, il y avait quand même, ça va, des pilotes relativement. Alors, je vais faire livrer maintenant, comme ça sera fait. Qu'est-ce qu'ils veulent comme décal, ces trous du cul? Les décals, il les a partagés, je crois, il me semble. Ouais, ouais, il a mis qu'il les a repostés, et maintenant, faut que je le trouve dans mes comptes. Parce qu'au début, moi, j'ai dit, bah, au pire, on prend la livrée là, tac, j'ai fait exprès de repartager la Peugeot RCZ, l'ancienne livrée, tu vois. Mm-hmm. Et puis, en fait, en lisant bien tout à l'heure avec Steph, parce qu'il m'a aidé beaucoup, Steph, là, parce que je comprenais pas tout en anglais. Avec l'anglais, ouais. Alors, Steph m'a pas mal aidé, puis à la fin, j'ai continué à lire, et puis vu que, ouais, il fallait des décalques spéciaux, positionner à tel endroit, machin... Je supporte pas les championnats comme ça, les gens, ils pensent peut-être qu'on a que ça à foutre de faire des livrets, t'es. Après, voilà, moi, j'avais pas le lien du Discord, en fait, j'avais zéro information hier ouais, soir à minuit, j'avais ouais, mais zéro je sais. Info. Je sais, c'est pour ça que j'ai gueulé sur... C'est toi qui me les a donnés. C'est pour ça que j'ai gueulé et sur lui. Et puis en plus, c'est pareil pour la qualif. La qualif, voilà, c'est lui qui a inscrit en tant que pilote pour la qualif. Je suis désolé, même s'il avait un moins bon rythme, il devait la faire, quoi. Parce qu'il m'a envoyé un message à 19h et quelques en me disant « Ouais, tu veux pas aller faire la qualif, j'ai un mauvais rythme et tout. » Ben... T'as que ça à faire. Non, je suis désolé, non. Fallait me prévenir avant, quoi. Alors, du coup, il a pas fait de qualif, quoi. Alors, ça, c'est pareil, les trucs comme ça, faut que ça s'arrête, quoi. Le gars, il l'assume, il a inscrit en tant que pilote qualif, il fait sa qualif. Ou alors, il me prévient pas, mais pendant la qualif, pour aller faire à sa place, ça, c'est pas normal, tu vois. Alors, attends. Moi, je veux bien aller faire des events avec les gars et tout, mais si c'est pas structuré ou si on fait pas ça correctement. Mais... Et bon, je crois que j'ai eu ma dose avec la future driver, alors maintenant, les trucs comme ça, c'est bon quoi. En plus, maintenant, je les trouve même pas, là. Putain, c'est casse-couille, ça.
Leur système sur GT, c'est vraiment de la merde. J'ai quitté le salon. Je comprends pas leur système sur GT pour chercher les gens, pour chercher des trucs dans tes amis là. Tu devrais pouvoir taper le nom. C'est débile. Alors attends, ils les ont partagés il y a pas longtemps, je crois. C'est d'actualité. Tiens, mais Weston. Ah, mais il y a Titanium. Non, de toute façon, laisse tomber. Faut que je trouve le TX3. Faut que je le trouve. Alors, VSR composté. Alors, il y a ça. Tiens, j'en ai reposté un. Attends, je vais voir si je le vois direct. Deux fois. Alors après, il y a le numéro. Oh, mais laisse tomber, je vois pas non plus, je sais pas pourquoi. Jeu il bug. Faut peut-être laisser le temps. Non, oh, faut que je trouve les comptes TX3, que je les rajoute en suivi, c'est tellement chiant. Yo. Salut. Ça va. T'as récupéré un casque, toi? Ah, et t'as pété le tien, t'as fait quoi? T'as pété le tien, tu t'es assis dessus? Nard. T'es un triton? Ouais, c'est normal, c'est de la merde. Ah, bah là je pourrais pas en avoir d'autres, on a épuisé les quotas, mon gars. Qu'est-ce qu'il a, l'autre? C'est chelou, quand même. Hein. C'est... Vas-y. Ah, ok, ouais, ok. Ouais. Passe la tondeuse, ouais. Mec. Ok, tu peux l'enlever, hein, c'est bon. Les cheveux. Ouah, quelle horreur. Spitovich. Ouais. Il est bien le Tibétain avec toi dans le salon? Le Tibétain. Non. Ok. C'est qui lui? Je sais pas. Je sais pas, j'ai vu que t'avais un Tibétain dans ton salon. Ah, c'est pas j'ai des illusions, hein. C'est du Furlane, avec un drop de cheveux, là. Ouais. Ouais. Surfer ligne. Toi, tu le connais, là? Non. À quelle heure votre première? Ça fait plaisir de t'entendre un coup, mon petit belge. Ça faisait longtemps. Ah, toi aussi, ça y est. Ça fait bizarre de voir Fire chez Chevrolet. Ah là
comment j'ai roulé des Chevrolet en GR4, c'était pour. Hein. Moi j'avais Roda Ovento qui m'avait dégagé pendant la course. Ouais, je m'en fous, je les ai enculés quand même. Ils sont pas contents, dès que tu dis la vérité, ça leur plaît pas, gros. C'est un truc de vérité, ça leur plaît pas. Qu'est-ce que t'as dit ? Ah, moi j'ai dit que l'Océanie, et je le dis en live, l'Océanie pue la merde, et j'en ai marre qu'on me prenne pour un con. Je dis, quand on voit les temps de chrono, qu'on voit que Berasseur, il y a 2 mois, il fait premier Honda en Europe, et il fait premier Europe totale. Et ici, il y avait une qualification, il n'était pas qualifié au profit du 8e de l'Océanie, qui sur un time attack est à 1 seconde de Berasseur, et sur un temps de course est à 18 secondes en moyenne, bah vous puez la merde. Voilà, ça c'est fait. Ah ouais, non, mais c'est exactement... Oui, mais attends, les gens, ils pleurent. Les gens, ils sont en train de rager sur moi parce que je mets ça. Mais tu regardes les nationalités, c'est que des Océaniens. Bah oui, si évidemment, si jamais tu vires le système de 5 qualifs, il n'y a plus personne chez eux, mis à part Cody, et... Bah, évidemment qu'ils pleurent et qu'ils ragent sur moi. Continuez, les gars, c'est bien. J'y sais très bien, ça me prouve juste que vous êtes une vraie bande de trous du cul. Mais ça, c'est bien, ça me prouve quand même que les gens, ils réfléchissent pas vraiment quand ils parlent, parce que le mec, il me dit que avec trois régions, il y aurait toujours autant d'Océaniens qualifiés. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Fais une seule région, et on va voir quoi, si les Océaniens, t'en as un seul de qualifié. Je le dis, j'en ai absolument rien à foutre. Les gens, ça leur plaît pas. J'ai envie de te dire, ça me change pas la vie. C'est juste que ça les dérange, hein. Mais bon, après... Ouais. J'ai envie de te dire, c'est dommage pour eux. Hein. Vas-y, je suis pas là pour faire dans le social. Oui. J'ai un jeu de tester, donc je peux pas te dire. Ah ouais, bah c'était pas mal. À part les 3 derniers tours, c'était un peu chaud, mais sinon ça va. Une Nissan face à une Chevrolet, tu vois, la Nissan est meilleure quoi. Ah bah oui. Si t'arrives, toi. Jean-Michel Bac à gravier. Night Fox. Non, putain. Ouais, on va pas demander des trucs comme ça, tu sais, les gens ils sont un peu perdus dans la vie. Et oui, je suis aigri ce temps-ci et j'emmerde le peuple. Si quelqu'un n'est pas content, bah il va se toucher le rectum. Voilà. De quoi? Ouais, j'aime pas qu'on me prenne pour un con, puis là, y a 2-3 trucs qui commencent à me chauffer, et je vais remettre 2-3 à leur place ou peu. Thank you.
Bon, je dois mettre ça où maintenant? Yo Fabio, how are you mate? Very fine. I just finished that, and after I come, I go again on Interlagos. J'ai essayé d'aller un peu sur E-Racing là. Ouais. Alors ouais, bon, il ouais, y a trop de paramètres et tout. C'est pas facile. Par rapport aux touches. Alors j'ai dit, ouais, je me pencherai dessus quand j'aurai le pédalier et puis que je roulerai avec le Fanatec. Ouais, bah, de toute façon, je risque d'être là très rapidement. Et là, ça, il y a beaucoup de choses qui m'ont gavé. Je vais y aller tout à l'heure déjà. Et m'étant envie de venir vite fait, au moins pour comprendre, pour que je t'explique non, bah, les réglages non, et tout. Sort, ouais, ah bah oui, t'as là, ton. J'ai juste roulé sur GT pour la course. Vas-y. Pas mélanger les deux jeux histoire de pas ouais, être de, d'être OP pour tout à l'heure. Ouais, Cooper, il me fait déjà une seconde et demie. Bon, je sais pas, il est encore dans le carton, ça fait une semaine. Je suis ça va être patient. Non mais de ce que j'ai vu, des vidéos que j'ai vues en tout cas, tout le monde a l'air très étonné du ressenti, même sur GT. Ils disent par rapport à un TGT, c'est un... Bah il y en a qui l'ont fait, hein. Qu'on fait des tests sur GT, franchement... Great Fabio, great. Ah bah oui, c'est pas la référence, oui, je suis d'accord. I just paint this car for the guys and after I return on Interlagos. So. Hop, la voiture sera en ligne dans 30 secondes. Basta. Merci. Et désolé encore. Ah, mais c'est pas toi. C'est pas à toi de t'excuser, c'est à Cooper. Lui, il va commencer à. C'est la première ouais, fois, je laisse bon. Passer la première, mais pas la deuxième. Après, tu lui expliquer correctement. Je lui ai expliqué en privé, j'espère qu'il a compris. Je lui ai dit qu'il fallait qu'il comprenne qu'une livrée ça se demande pas le jour de la course et il m'a dit mais j'ai mis quelque chose et tout. Je suis allé voir dans le truc peinture, il n'y a rien qui a été demandé, mais alors rien du tout. Et il me dit ah bah je pensais avoir mis, je sais bah sois sûr, ne pense pas. J'arrête de penser, sois sûr. Bah tu vois, même moi ça m'a étonné, j'ai regardé, je l'avais mis dans le truc, je dis mais t'as demandé une livrée, il y en a. Non, il avait pas demandé.
Elle est partagée, et hop. Maintenant moi, je retourne sur Interlagos parce que je suis pas content de mon chrono avec la Lexus, je veux être dans le top 5 et pas top 6. Bon. Je reviens, je vais aller la chercher. Ah, oh, j'ai de la merde là, ça m'a gavé. C'est bon, détends-toi. Oh, mais y'a pas que ça, gros. Y'a plein d'autres trucs à côté. Quand le truc des Océaniens qui se permettent d'ouvrir leur gueule. Voilà, ah, le fait mais que. C'est les réseaux, c'est. Le fait que ce matin, je branche mon playsite, je vais dessus, j'ai la soudure qui lâche du playsite. Du coup, j'ai percé le playsite, j'ai mis une cale en bois, j'ai vissé ça avec un boulon des deux côtés comme je peux et tout, ça bouge pas, mais. Ça va pas tenir des années, hein. Donc il faut que je rachète un playsite en plus, et là c'était pas le moment, donc ça me fout vraiment la mort. Beaucoup de choses aujourd'hui. Oh, on a le numéro 1. Ah, bah ça y est, je suis plus dedans. 907 pour rentrer dedans. Ouais, on a le numéro 1. Est-ce qu'il y a d'autres RCF? Ça c'est la question. Est-ce que quelqu'un dans ses amis a des RCF d'ailleurs dans... Non. Y'a personne. Ça c'est très bien. Y'a personne. Nickel. Qu'est-ce qu'il y a les chats? Ah, je, RCF, je te parle de la voiture, trop de balles. Bravo. Je demande si jamais en Manu, vous avez des amis qui sont chez Lexus. Qu'est-ce qu'il y a toi? Ouais, enfin bon. NG, il est bon. Il est très bon. Mais il fait pas toutes les cours, généralement, donc bon. Mais je m'en fous, en fait. Le seul truc, c'est de savoir si jamais le top 3 est atteignable tranquille ou pas. Bah, au final, de toute façon, cette année, il y aurait pas de War Tour de tout ça. C'est ça, c'est pour ça, comme il n'y a pas de War Tour, j'ai pris une marque, je suis resté sur la marque qui me plaît. Je suis parti dans l'esprit que... Au final, ça bat les couilles. Mais je suis parti dans l'esprit que... Si jamais je roule un peu sur d'autres jeux, même si jamais ça reste que pour le plaisir, hein, faut bien préciser. Ça reste que pour le plaisir parce que bah, j'ai un accord avec Steph et je reste sur GT pour manager l'équipe et tout le plus souvent. Le truc c'est que comment dire, il faut que j'ai une voiture que je connaisse, tu vois. Et faut pas que je cherche à comprendre la voiture, j'ai pas le temps de comprendre la voiture si je vais sur d'autres jeux, quoi. Donc je préfère rester sur une voiture que je connais. C'est ça. Yo, Smoking Ace, how are you, mate? Tranquille. En revanche, sur GT, je vais me réinscrire au championnat GTCQ dès que ça réouvre en septembre. Ouais, bah moi, c'est pas du GTCQ, je garde d'ailleurs la course le week-end prochain. Hein. J'ai même pas entraîné, en plus, c'est sur batteur. Bon, qu'est-ce qu'on a comme voiture dans le top 10? Bon, les Supra, je peux pas aller les chercher de toute façon. Tu peux faire mieux que. Avec ta Supra, tu peux faire mieux que point. Il peut faire mieux que point 8, le petit Cervet. Hein. Ouais, je peux faire point 6. Je peux bah, quand tu vois Canet qui est en point 5, tu peux le faire. J'ai deux dixièmes à aller chercher au premier secteur, et puis après le reste c'est parfait. Oh, mon premier virage, là, qui est dégueulasse. It's me, Mario! Why you change your tag?
Tom m'a répondu. Il m'a dit que si, Kajin Damien se. À Tom. Alors, Bleu, apparemment, selon la vision GT, t'étais pas là. Pour la Veloz, apparemment, selon Illusion GT, c'est toi qui aurais été absent au lieu de servir. Oui. Ouais, d'accord. Il est deux, c'est six. Optimal is really difficult to search, mate, all time. Ah, un petit peu trop. Que je branle là, je suis plus concentré. Et est-ce qu'il veut aller?
Spécial Chanchon, et il demande juste si jamais il demande juste à Albator si jamais il s'est déjà branlé avec Baptiste. C'est pas déconné, c'est la vérité. Ah, t'as pas vu la photo toi? T'en penses son live? Ouais, genre les lèvres, genre la caille.
ça fait quand Blaze frappe du chocolat dessus? Qu'est-ce que ça fait quand Blaze frappe du chocolat dessus? T'as des chocapics? Me fatigue. Le tu me fatigues. L'objectif c'est que tu finis deuxième ou cinquième. Je suis super proche de mes tours, hein, c'est un truc de ouf. Custom est déjà qualifié. Faut que tu finisses entre la deuxième et la septième place du coup. Moi ça me rend ouf quand même, tu sais pour Interlagos, la Lexus elle est bien, elle est pas dingue mais elle est bien. Le truc c'est que j'ai fait 933, mon optique est, n'est qu'en 800, donc tu vois c'est pas 600 ou quoi comme la Supra. Mais là tu vois j'ai fait 954 à la seconde, 966 juste avant, 969 juste avant, et je suis très proche mais ça veut pas rentrer, hein. 800... Moi je suis très nul. Ah ouais putain... 993 c'est de la merde. Chance le mec. Et bonne course. On va regarder les freins. Hey, casse-toi, bonne course. Ouais, bonne course, hein. Tout bon, hein. Oui. Hein, ça fait...
Un topo. Texus gain lol. Là, je vais regarder. Yo Alba. Comment ça va mon petit Alba? Ça y est. Quoi? C'est ben Chanchon, il fait son Chanchon. Je suis le bâtard qui prend le bouc. Trop de temps là. Merde.